Bonsoir les amis, comment ça va? C'est Anthony de Conoffice Centre-Ville. Donc, petit conseil diète du jour sur le fait de sauter un repas. Donc, en fait, le fait de sauter un repas, parfois ce n'est pas la bonne solution à adopter. Parfois, certains d'entre vous, ils ont des objectifs de perte de poids et ils pensent que sauter un repas la plupart du temps vont leur aider justement à perdre beaucoup plus de poids et à brûler beaucoup plus vite parce qu'ils apportent moins de calories. Ce qui n'est pas forcément bon est nécessaire pour la perte de poids ou même pour le renforcement. Donc en fait, il faut surtout avoir un bon apport tout au long de la journée. Et parfois, le fait de sauter un repas, des fois sur le repas suivant, vous allez vous rattraper dessus et au contraire consommer plus de calories qu'il n'en faut. Vous venez chez nous pratiquer presque tous les jours, donc en fait, il faut avoir un bon apport tout au long de la journée pour réaliser votre objectif, que ce soit de perte de poids ou de renforcement. Donc, il ne faudra pas surtout sauter un repas, donc sous prétexte que je me dis je vais perdre plus ou autre. Au contraire, apporter à votre corps les nutriments nécessaires, les ressources nécessaires pour son bon développement et son bon fonctionnement. Et en fait, c'est ça ce qui est le plus important. Et donc, à nous de trouver des solutions, donc à vous de trouver aussi, soit vous mettez en place des collations si vous n'avez pas forcément faim le jour J, des collations ou diminuer les quantités pour pouvoir justement maintenir cet apport-là tout au long de la journée. Voilà, donc les amis, sauter un repas n'est pas forcément la bonne solution dans votre objectif. Donc n'hésitez pas à manger régulièrement et les bonnes choses pour pouvoir réaliser vos objectifs. C'était le petit conseil diète du jour. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve, les amis.